Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Pierrefeu, on va se faire une belle petite sortie encore une fois, concoctée par notre Pascal. Il va nous faire prendre les plus belles rails du coin comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc DHR d'origine, pincé. Allez. C'est parti, on met coup de pédale, ça annonce la couleur. Je sens que je vais être autant en forme que la semaine dernière. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est la misère. Vraiment pas la forme. Les copains derrière. Et puis on est parti pour une sortie au top, même si je vais en chier. Pascal qui trace, c'est toujours au top. Il nous trouve toujours les petits singles. Même en montée, c'est toujours du caviar. Voilà, bah c'est parti pour du coup la première ascension. Tranquillement. Bon, j'ai pas attendu les copains, je suis parti tout seul. J'ai trop mal au dos, je pouvais pas m'arrêter. Et là, il va y avoir un bon coup de pétard. Ah, je le fais pas. Putain, qui est bite. Allez, go, go, go. Joli. Allez, on pousse sur la fin. Avant, tu vois, je serais redescendu. Je l'aurais refait. Ça, c'était avant. Mais redescente. Allez, go, 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 go. Ah, on est dans les bouchons. On est dans les bouchounes. Go, go, go. Ah, c'est sec aujourd'hui, c'est bon. Elle est bonne, ça, là. Manque un peu de vitesse, mais elle est bonne. J'aurais pu prendre le saut à gauche pour doubler tout le monde, mais je suis froid, là. Sinon, je l'aurais fait. Voilà, et pas du tout piégeuse, ça glisse pas, c'est le top. C'est le top du top. Bon, faut dire aussi, on va pas vite. C'est peut-être pour ça que ça glisse pas. Ah, on peut pas couper là, c'est trop. Ah, les premières, c'est bon, c'est fait. C'est cadeau. Allez, du coup, on repart un petit peu en montée. Tranquillement, je pense qu'on va aller en chercher une un tout petit peu plus haute avant cette fois-ci une bien plus longue ascension. Deuxième petite partie avant de remonter. Et ouais, très bonne chance dans une fin. Je vais pas sauter. Allez, du coup là on est reparti pour une grimpette un peu plus longue, je crois qu'il y a 2-3 bornes. Un peu plus tranquille, un peu moins cardio. Mais bon, il va falloir quand même se la faire.
Allez, bah écoute, j'ai repris ma place de banc dernier. Encore la misère aujourd'hui. J'y arrive plus. Ça me dégoûte. J'ai qu'une envie là, tu sais quoi, c'est d'arrêter, faire demi-tour et le bébé le poser dans le garage et plus en faire. Putain, en ce moment, c'est la... ça me gonfle. Franchement, ça m'écœure. Ça m'écœure. Ah, les nouvelles descentes inédites, on la connaît pas celle-là. On l'a jamais prise, on va voir ce que ça vaut. Oh, je suis plus oxygéné. Je suis mort, qu'une envie, c'est de rentrer. Bien sympa ça. J'espère qu'elle va redonner un peu du bon au cœur. Oh, joli. Ah, ouais. Oh, ça va être le coup d'en chier pour la prendre celle-là. Ouais. Il manque un peu de vitesse. Ils sont bien faits les virages, c'est bien appréhendé. Oh joli. Putain, c'était trop court. Elle était trop courte. Hein. Ah mais j'avais pas fait attention qu'elle continue en bas là. Elle était terrible. Elle était. Non, pas la langue, merde. Allez, on est go pour la deuxième partie du coup alors. Moi je me suis arrêté, je croyais que c'était terminé. Ouh. Putain, j'ai à peine de retrouver un petit peu de souffle là. Oh, wow. Entre les deux. Putain, je sais pas pourquoi, mais par contre, j'arrive à peu près à prendre des virages aujourd'hui. Comme toi, vu que j'ai pas attrapé le copain de devant, c'est que je suis pas encore assez rapide. Alors lâche un peu les watts. Ça y est. Ah, du caca. Ah, sale bête. C'était quoi ça? La bouillac! Oh, il m'a niqué! Il m'a niqué! Ah. Allez, c'est reparti! Il m'a eu là! Faut rattraper l'avance maintenant! Oh, elle était géniale celle-là aussi. Putain, il va falloir monter encore maintenant. Ah. Allez, je suis parti tranquillement en montée. Parti tout seul, j'ai laissé les copains en bas attendre les derniers qui descendent. Histoire de prendre un petit peu d'avance vu que je suis complètement à la ramasse. Ça évitera qu'ils m'attendent et qu'ils viennent me récupérer. Voilà le premier qui me double. Calvaire en ce moment le VTT, franchement. Mais bon, il fait beau. On a des beaux singles. On a des belles pistes aussi larges pour se refaire un petit peu. Et surtout des beaux paysages. Un beau soleil. Ah, c'est bon. C'est bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh, c'est pas qu'aujourd'hui, dimanche dernier c'était pareil. Ouais, ça. Mais non, c'est bon. C'est la décadence. Non, mais on peut plus comme ça. Non, on peut plus. Là. Il va falloir arrêter complet. Ça va être ta punition. Ah, là, c'est... Tu sais ce que c'est ta punition? Non, ça tu la connais déjà. Non. Hein, faut être avec des orties. Ah, c'est pour ça, alors peut-être ouais, que. C'est pour ça. C'est pour ça que j'avance plus, c'est ça me plaît ça. Ça. Allez, ça monte toujours. On va chercher un autre single. Je suis parti comme d'hab là. Un petit peu avant que tout le monde soit regroupé, donc je suis premier là. Je suis
tranquille au moins. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi moralement quand je suis dernier et que je vois que j'arrive pas à suivre, ça me coupe complètement. Autant quand je suis premier et que j'ai les watts, ça me donne envie de me surpasser et ça m'enclenche dans le niveau supérieur. Et autant quand c'est l'inverse, que j'y arrive pas, ça me coupe totalement mes moyens. Je sais pas si vous c'est pareil. Et si vous avez des trucs là, putain, pour retrouver cette putain de forme. Je comprends pas là. Pourtant, j'ai pas arrêté de faire du vélo et on dirait que je reprends après 8 ans d'arrêt quoi. La débandade en ce moment. Ah, on a les nuages qui arrivent. C'est beau mais c'est dur. Bon, ben attends, parti en premier, apparemment je me suis trompé dans le branchement, je les ai jamais vu arriver, alors du coup j'ai fait demi-tour, j'ai récupéré le bon embranchement, on va essayer d'aller voir si j'arrive à aller à retrouver, sinon je finirai la sortie tout seul, ça m'apprendra. Toujours en mode pisteur là, je suis leur trace, à moins que ça soit pas les leurs, on verra bien, pire on fera demi-tour un peu plus loin. Même pas j'essaie de la faire sur le vélo ça. D'habitude je la fais. Pas envie. Bon là on va arriver. Une belle petite descente en tout cas. En espérant les récupérer en bas s'ils ont pris celle-là. C'est parti. Là on va encore avoir une belle petite descente. Alors, je sais pas s'ils ont pris celle-là ou pas. On verra. De toute façon, si on les retrouve pas, l'objectif c'est juste de rentrer. Il y a de petites caisses qui te font rouler la roue avant. Quand même essayer de garder un petit peu de vitesse, même si c'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit truc sur le côté là. Passer par là. Une friche. Ah tiens, on va tester celle-là. Je n'ai jamais fait ça. Je sais pas où elle va arriver. On verra bien. Comme il avait parlé de tester de nouvelles pistes, c'est peut-être celle-là qui parlait. On verra bien où elle nous ramène. Oh putain, les virages ils sont serrés là par contre. Et pentu. Ça doit être les mêmes qui ont fait les fils de là-bas. Ils aiment quand ça serpente les salopards. Par contre, elle est méga pentue celle-là. Oh, allez, ça passe. Oh, con. J'aime pas quand c'est pentu comme ça et que t'as des marches dedans. Bon, le vélo il se soulève pas mais... Oh. Ouh. Eh ben c'est pas avec moi que vous allez prendre de la vitesse là-dedans. Hein. Par contre, s'il y a des fournisseurs de plaquettes qui veulent me sponsoriser, vous avez compris que je suis le bon poulain. On va aller un peu trop pentu, tu vois, je préfère l'autre. Parce que tu peux prendre un petit peu plus de... Un petit peu plus de vitesse du coup. Pour mon pilotage à moi du moins. Il y a peut-être des meilleurs qui s'éclatent un petit peu plus là-dedans. Descendus ou s'ils sont remontés. On va essayer de remonter, on verra bien. Ben on n'aura pas vu la mer aujourd'hui.
Puis je me sens pas d'aller vous la chercher. Ce sera pour la prochaine. Mais non, ils sont pas là. Allez, on repart en sens inverse. On va descendre un petit peu là sur la DFCI. On va remonter de l'autre côté et on va aller chercher un dernier petit single. Histoire de se faire plaisir et on les rejoindra aux voitures. Bon ben ça continue à grimper tranquillement. À mon rythme, du coup ça va mieux. Donc j'ai plus la pression de savoir qui c'est qui est devant et qui c'est qui est derrière. Je monte tranquillou. Bon, j'ai vraiment perdu. Je les retrouve plus. Allez, plus que ce dernier gros coup de cul. Et après, ça ira beaucoup mieux jusqu'à la fin. Il n'y en aura plus des comme ça en tout cas. Pour aller chercher la dernière petite descente. Allez, c'est parti pour la dernière. Oh, il a jeté les caillasses en plein milieu. Oh, ça fait longtemps qu'on n'en est pas passé là, ça se voit. Ça fait deux fautes. Le plus dur est pas passé. Enfin, le plus dur. Oh, elle est bonne celle-là aussi. Bon, de toute façon, que des bonnes. Chaque fois que vous m'entendez descendre, vous m'entendez dire qu'elle est bonne. Ah. Il y a du monde dans la roue arrière. Ah. Allez. C'est reparti. Ouh, petit travers. Ah, toujours aussi génial ça. Et voilà. Que du bon. Que du bon dans le Var. Que du bon. Petite dernière descente que j'affectionne particulièrement. Elle était bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas prise. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler, se laisser descendre et dérouler jusqu'au bagnole. Petit peu dommage d'avoir perdu les copains, mais ça m'apprendra à être parti un petit peu plus tôt et de m'être trompé. Même si je les adore, ben, j'ai envie de dire c'est quand même un mal pour un bien, parce qu'à l'arrivée, à la fin de la sortie, au moins je l'ai fait sans pression, tu vois, pas te dire putain, je suis le boulet, ils m'attendent, machin. Parce qu'à l'arrivée, moi ça me coupe encore plus qu'autre chose. Donc du coup, j'ai fini la sortie en détente et je me suis vraiment, vraiment fait plaisir. On va les attendre aux voitures et on se retrouve là-bas, on se boit un petit coup pour mes 40 ans que j'avais pas encore eu le temps de fêter avec eux. Hop. Allez, on se laisse tranquillement dérouler. On n'est pas loin des bagnoles. Voilà, on les a retrouvés les copains. Finalement on a fait à peu près le même tour, sauf qu'à un moment donné ils ont pris une descente que je connaissais pas. C'est pour ça que je les ai pas récupérés. Bon ben moi je vous dis bon week-end à tous. J'espère que vous êtes régalés à faire du vélo vous aussi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.